Monsieur Ventura. Monsieur Ventura. On vous appelle au téléphone. On vous appelle au téléphone. Merci. C'est par là, Monsieur Ventura, là au fond. Oui, au fond et à droite. Il est parti. Le chef d'orchestre est entre nous un drôle de phénomène. Il connaît tout par cœur Stravinsky, Bach et Beethoven. Il dirige l'orchestre avec infiniment de chic. Pourtant ce n'est pas tout, voilà le hic. Notre chef n'aime pas la musique. Tarara, 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 tarara. Ni le moderne, ni le classique. Tarara, 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 tarara. Quand il était bébé, on l'en a dégoûté, car on le forçait à faire des gammes d'aussi la sol pendant des heures, sans arrêt malgré ses pleurs. Ce fut le commencement du drame, c'est pourquoi il hait la musique. Tarara, 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 tarara. Il sourit vers le public, avec un air angélique. Mais sans avoir l'air de rien, il nous fait voir ô combien que le chef n'aime pas la musique et déteste tous les musiciens. Moi non plus, j'aime pas la musique. Tarara, 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 tarara. Je voudrais faire de la culture physique. Tarara, 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 tarara. Ben moi si je pouvais, je cultiverais les navets au fond d'un village bien caché. Moi si je pouvais, je serais danseur. Et moi garçon d'ascenseur. Et moi je resterais couché. Mais voilà, il y a la musique. Au monde où l'on nous a mis, on déchiffre et l'on solfie. Puisqu'on est là aussi bien rechigné, ça ne sert à rien. Continuons à faire de la musique. Et tant pis pour les bons musiciens.